J'ai besoin de partir à l'aventure. Dans un monde où tout devient de plus en plus virtuel, où on accorde trop d'importance à tout ce qui se passe dans notre téléphone, j'ai décidé de couper tout ça et de découvrir un nouveau mode de vie. Aujourd'hui, et pendant 48 heures, avec Timout, Matkev, Wakeit et moi-même, on ne connaît rien de ce qui va nous arriver. On nous a fourni un sac chacun et seulement prévenu qu'on vivrait encadré par des instructeurs dans un contexte militaire. Et sûrement qu'on allait être mis à l'épreuve physiquement et mentalement. On va devoir s'adapter à ce mode de vie pour que l'expérience se passe bien et surtout être discipliné. Et vous allez voir que pendant ces deux jours, j'en ai appris beaucoup sur moi-même. Les amis, j'espère que vous êtes prêts. Officiellement, on sait rien de ce qu'on va faire. On sait pas ce qu'on va faire, on sait juste qu'on va vivre une expérience humaine. Avec, maintenant vous les connaissez les amis, on est parti dans la jungle ensemble. Matkev, le giga Chad, encore une fois, on peut le dire. Celui qui n'a peur de rien. Timout, bon bah il est là quoi. Timout, je pense qu'il va partir avant nous lui. Et Wakeit, bien sûr, qui est derrière la caméra, qui va nous filmer. Mais s'il y a moyen de le faire galérer, il va galérer avec nous les gars. Et puis moi, comment vous me décrivez moi? Bah t'es là toi aussi. Bah, hein. Un mental d'acier, cache bien son jeu tu vois. Ah ça j'aime bien, ça j'aime bien. Bon allez, venez on y va les gars. Bonjour. 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 On va vous demander de remplir les fiches pour commencer. Oh bordel, est-ce que c'est écrit genre si on meurt c'est pas de votre faute? C'est ça. C'est écrit ça? Ouais c'est vraiment écrit ça. Je suis conscient des risques encourus à la participation de ce type d'activité. Non mais on va faire quoi là? Impeccable, c'est bon pour c'est tout signé, le monde. Parfait. Allez c'est parti. Bonjour. Bienvenue au Beach Bootcamp. Ici on propose des activités à caractère militaire. Vous êtes venu ici pour vivre une expérience unique. On va vous demander d'être solidaire. Aujourd'hui, il y a les limites que vous vous êtes fixées. Il y a ce que vous pensez pouvoir faire et il y a ce que vous allez réellement faire. Bonne chance et c'est parti. Allez. Let's go. Merci beaucoup instructeur. C'est bon, c'est compris les gars. Là, il va falloir que vous me sortiez tout votre matériel que vous avez dans votre sac. Les gars, sachez que même nous, on va le découvrir. Donc le copain, il filme, on l'aide. La solidarité. Timout solidaire. Mais toi, arrête de faire. C'est la première fois que je vois ça. C'est un gros mytho. Donc sac à dos, ça c'est bon, vous avez tous un sac. Est-ce qu'il y a des choses un peu en surplus? Parce qu'en gros, tout ce que vous prenez, vous allez le porter toute la journée. Ah ouais. Ah ouais. S'il y a du surplus, on prend pas. Je peux envoyer un dernier message à ma maman? Ouais, tu peux lui dire, ouais. Non, faut que j'envoie un message à ma maman là. On va vous remettre un brassard chacun numéroté. Alors numéro 1, le seul moyen de communication, c'est nous. Ça marche. Numéro 2. Ah, en plus, je suis né le 2 octobre. Non mais c'est bien, ça va me permettre de me déconnecter, de me reconnecter avec moi-même. Et c'est mon objectif en venant ici. Numéro 3. Bon, il est dégoûté. Mais c'est bien, ça permet de reconnecter. Numéro 4. Je suis né le 4 aussi. Ah bah tu vois. Bien serré ou... Ouais, bien serré. Merci beaucoup. Numéro 3. C'est bon, il l'a mis. Ouais. Numéro 4. Oh là là. Numéro 1. Ouais. Wow. Bon, tu nous as quand même dit d'effet... Non, c'est pas possible. T'es instructeur Alex. Ah, vous nous avez quand même dit, videz votre sac, rangez votre sac. Au moins, tu découvres ce qu'il y a dedans, déjà. Oui, c'est vrai. C'est reparti. T'as une belle vue, Kev? Franchement, ouais. Donc le sac, première opération, on va peser les sacs. Si, merde. Ah ouais. Si, merde. Mais t'es vraiment un bon, toi. Je voulais te le donner. T'es vraiment un bon. 9 kilos. Wouah. Quand même, hein. Le sac de Wiki. Combien? 7 kilos. Mais comme pourquoi ça. Bah, j'ai juste les GoPro en plus. Ah, c'est les GoPro. Oui. Oh. Attention. Voilà bon, qu'un vlog, elle pèse, hein. Oh. Ah ouais, avec bah, 9 kilos. Bah, 9 kilos aussi. Attention, moi. Mais vous avez de la chance, vous. Ah, 8 kilos. En vrai, on a tous quasiment... un sac de 10 kilos. On pose les sacs. Donc on va vous faire faire un petit échauffement et après vous aurez une série de tests pour qu'on puisse un petit peu jauger du niveau de chacun. On vous suit instructeur. Allez, on y va. Allez. En contre sinon petit. Les gars, ça commence maintenant. Voilà. Oh, putain, vas-y. Allez, Wakeit. Et après on revient. Allez, on redescend. Les gars, comme ça, dès 10h du SBA. 1, 2, j'entends pas compter. On déplie. Voilà. Allez, voilà. Allez, accroche doucement. On en fait une encore. Ouais, joli. Oh, j'ai le ventre tout mouliné. Je suis monteur, moi je reste assis toute la journée. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Venez placer la corde ici. Et en même temps, je vais venir la récupérer pour la bloquer. Et je monte. Quand vous c'est descendez... Ah, je ne pas dire rien là, ouais. Ouais, je vois ça, ouais. Quand vous descendez... Où tu vas? Reste allé. Je peux marcher un petit peu? Ouais, là, ici, ouais. Là, reste allé. L'aventure vient de commencer. Ah, ça y est, tu... Ouais.
Il a vomi. Ouais. En vrai, j'avoue que même moi, je sens que j'ai une sueur froide. Ouais. Quand on se dépasse, ben voilà, il y a des moments où ça peut arriver. Oui, c'est bien ça. Voilà, joli. Par-dessus, par-dessus. On touche là-bas. C'est bien ça. Allez, joli, descend. Oh. Voilà, joli. Donc là, on vous laisse quelques minutes pour récupérer. En fait, j'avais un début de nausée quand Timout il a commencé à vomir. Et après la corde, quand je l'ai vu, je me suis dit putain, je dois me redonner alors que j'ai des remontées. Ça m'a terminé la corde. J'avoue, j'ai envie de vomir ça. Non, mais t'as vu ? C'est bon pour vous ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que je suis bon ? On se rééquipe. Allez, c'est reparti. Avec ses affaires. On part en activité, les gars. Je sais pas où on va, je sais pas il y a combien de temps de marche. Merde, on trottine. Ah ouais. On trottine ? Ouais, oh, le sac il m'a l'air de faire 30 kilos maintenant. Oh, le sac. Tu sais, je ressemble à quoi là? Je ressemble à un sixième qui va au collège. Le sac à dos il fait ma taille. T'as content de faire un petit footing là devant ma taille? Ouais, ouais. Oh, ouais. Ouais, 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 du coup, ouais. En fait, c'est dur à donner un rythme parce qu'on sait pas on court combien de temps. Ouais, j'avoue. Là, il y a Wiki qui galère. Voilà, soyez attentifs au groupe. Ça va, Wiki? Ouais, ouais. Eh, pour vous trouver une petite chanson là, un livre. On l'a notre rigueur. Tranquille. Allez, Wekid. Alors, c'est de l'endurance, ça veut dire même si mes mollets ils me disent ah c'est dur, je peux encore pousser, tu vois. Ouais, là c'est le mental qui dit que ouais, tu continues. Ouais. Alors, on marche. Bravo les gars. Vous venez de faire 1,5 km, récupérer, boire un coup, mettre en condition et on repart. On débrouille. Ouais. Ok. Ouais, les gars, je vais faire un malaise là. Franchement, c'est pas facile pour un début quand même. Non, mais en fait, surtout, on n'a pas de temps mort. J'arrive pas à me dire que c'est que le début. Mec, ça fait 1h30 qu'on est là. Comment tu dis? Je soupçonne que ça fait 1h30 qu'on est là. Il reste 47 heures. Wouah, la dinguerie. Wouah, on a tous failli vomir, nous. Mais moi, je crois que j'ai pas failli vomir. Après, c'est pas une compétition, mais lui, il a vraiment vomi. Moi, j'ai vraiment vomi. Bah, les amis, je vous ai dit, il y a aucun temps mort. C'est reparti. On n'a pas déjà fait un footing il y a 5 minutes. Allez, les gars! On peut le faire! C'est dur. Allez, go. Ouais, quitte. Oh, c'est bon. Allez, on encourage. Allez, ouais, quitte. Allez, ouais, quitte. Allez, ouais, quitte. T'es lent, ouais, quitte. Ouais, quitte, en vrai, merci d'exister dans ce genre d'exercice. J'aime trop avoir quelqu'un de plus lent que moi. Mais du coup, t'as vu ce qu'il ressent, ouais, quitte, là? Ouais, du coup, mentalement, il se sent hyper coupable. Ouais, quitte, t'es pas coupable. Ouais, quitte, t'es pas coupable. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute, ouais, quitte. En fait, Mich, il a de la patate. Il aimerait bien prendre ton sac, ouais, quitte. Ah ouais, bah vas-y, donne-le. Quoi? Tu l'as dit, t'as. Vas-y, vas-y. Et t'as 17 kilos, mec. Il s'en bat les couilles. Oh, il y a de l'eau. C'est pour ça que tu. On est d'accord, Matt Kev numéro 1, c'est un vrai frère d'armes. Il est parti tout droit devant avec les deux sacs. Il a le sac de Wakeit. Mais Wakeit, c'est rien, frérot. Tout seul, on va plus vite. Tous ensemble, on va plus loin. Kev, c'est le Tchad et en plus, il est parfait. Mais Kev, à cause de toi, on est tous complexés. Par contre, là, gros, moi, c'est dur. Hein. Je commence à avoir la douleur au genou. Au genou? Ouais. Moi là c'est les épaules, le sac il commence à être vachement lourd quand même. Regarde. T'as plus d'eau? Mais tiens frère. Non t'inquiète, t'inquiète, je te jure. Va te faire foutre, tiens. Allez. Voilà. Voilà la mentalité, c'est ça qu'il faut avoir. On repart. Allez. J'ai une douleur au genou là. Elle commence à attaquer mon mental. Ah, même si j'ai mal, je me dis nique sa mère et cours et toi genre. Moi les gars c'est ici l'espèce de. Je sais pas pourquoi j'ai super moi, mal. C'est le mollet, j'ai mal au fou. Toutes les petites douleurs que chacun en a, qui sont pour l'instant un petit peu insignifiantes, oui, elles peuvent se transformer. Et en général, Timout, quand il commence à dire qu'il a mal, c'est que. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. T'as le tout ça ou pas pour te soulager un peu? Vas-y, bah là, je suis. Accepte. Un peu. Allez, on voit. On court. Allez, on court, on court, on court. Allez, allez, allez. Allez, Wakeit, allez, Timout. Ça y est, on est arrivé. Bienvenue, les gars. Bienvenue, maintenant, on va vous tester. Vous allez faire des abdos, des tractions et des pompes. Vous avez fait un peu plus de 8 km, 2 heures quasiment d'effort. C'est beau. Donc, bravo. Ouais. Merci. On vous laisse un petit peu de temps pour récupérer et puis reprendre des forces, peut-être vous changer et puis on repart. On retrouve notre table préférée. Oh, ouais, vraiment. Waouh. Wow. Mais regarde. Ouais, non, mais c'est vraiment chouette. Mon gars, la transpide. Wow. Moi, je dois puer des couilles. Ah, ouais. On enchaîne. On déroule. On a le choix. Bah, non. Bon, ouais. Oh la masterclass! On va se taper sur la gueule. Je crois que je suis prêt, hein. Donc là, ça va être un test de combativité. Vous allez tous vous rencontrer. Oh. Une première minute exclusivement boxe anglaise, donc que les poings. La deuxième minute, pieds-poings. On n'est pas là pour se faire mal. On teste juste votre engagement.
Allez, on envoie les coups, Voilà. Voilà, joli, encore. Hein. On y va. Ah. Voilà, y a pas d'attente, Allez, pieds poings maintenant. Ah, excellent, allez, encore. Un bloc. Joli. Les gars, je vous conseille pas de vous battre contre le Gigashad. Oh bordel! Wesh, Wakit, il est déter! Wakit, ça se voit qu'il se bat. Voyez, là, il est plus à l'aise. Voilà, Wakit! En marche, il était pas bien. Et là, il est. Voilà! Ah, on voulait. Ah, on la corde! Wesh! Ouais, joli, encore. Ouais, joli, tout se met à côté. Waouh! Wakit, il t'a monté en l'air! Dès que tu mets un coup. Eh hey, mais toi t'es vénère hein. Ah t'es d'homme, j'aime trop ça. Timout versus Kev. En plus Timout il enchaîne deux combats. Mais pas plus fort hein. Wesh. Voilà, oh, là tu sens que c'est un deuxième combat. Ça va tu... Oh là là, t'as fait pleurer Timout. Non mais c'est là. Ça va? Tu pleures de fatigue frère. Ça va gros? Ouais. C'est beau, bravo hein. Frère, c'est que tu t'es tué gros, c'est bien. Ouais. Bien joué frère. C'est bien, c'est ça. Et gros, je le vois, t'es en train de trembler, t'es en transe. Ouais, joli, allez, une minute. Dernière minute. Aïe. Oh là là. Ah, la crampe de fou. Le mollet encore qui faillit. Bon, victoire par KO. Ah, là, carrément là. Le combat de frère. Voilà, trop bien. Bâtard, il met des vrais passages. Ouais, encore. Ouais, la série, elle est bien, encore. Série. Allez, pied-poil. Eh, c'est pas fini tant que la cloche a bassonné. Tu tombes, tu trolles. Allez, Timout. Ouais, joli. 5, 4, 1, tut. Bravo, les gars. Oh, je vais mourir. Battez! J'ai peur, ça d'arrêt! Allez, Wakit! Allez! Oh, celle-là, elle est belle! Allez, et ouais, ça sonne, attends, remets! Ça sonne? Ouais, doucement! Oh, t'as envoyé une vraie steak! Ouais, tranquille, assis-toi! Victor Barcao! J'aurais pas cru, parce qu'il m'a défoncé au début! T'as raison, franchement, bien joué! Timout, c'est la première fois que je vois ça, il avait les larmes aux yeux parce qu'il était à bout d'énergie! Les gars, je crois qu'il y a l'entrée d'un nouveau Tchad, un nouvel instructeur. Je vous présente Lulu. Bonjour. Là, on va faire une petite pause. Peut-être est-ce qu'il est pas chez le coiffeur. Ah, ça. Là, bientôt, ouais, c'est ça. Hein. T'as vu, j'avais dit le coiffeur. Ah ben, on sait pas. Ça le fait. Hein. Ça va, Timout? Les gars, on a retrouvé le Timout de la dingue. Oui, j'y pensais. T'es repassé en mode Dark Timout. Qu'est-ce qu'il y a? Crampe? Ah ouais! C'est que le début, ouais. Mais frère! Il reste 44 heures. Oh les gars, les boîtes de conserve, le jambon, le pain! Oh la dingue! C'est quoi ça? Ouais! Vas-y, moi je vais Ouais! Vas-y, où? C'est prévu de manger. Regardez-moi ça, la gueule de mon repas de ce midi. Oh bien, hein. J'avais pas vu, il y avait des pâtes. Ouf! Banger de fou. Lève-toi. Oh, c'est horrible. Oh, je crois. Je me suis levé, ça m'a rappelé la réalité. On se dirige vers Lulu. Enchanté, instructeur Lulu. Il y a un deuxième qui va lui couper à l'autre. Comme ça, il m'en voudra pas à moi. Vous en voudrez entre vous. Mais donc là, on fait vraiment coupe de cheveux. Non, il y en a qui va tendre l'autre. Hein. Je vous assure, vous êtes pas là pour la tente chez moi. On va couper les cheveux à personne. Oh, on a tous eu trop peur. On va attaquer tout ce qui est orientation. Ah, ok. Vous allez en faire, je vous dis pas quand, mais on va attaquer la partie technique de l'orientation. En orientation, qu'est-ce qu'on dispose? Ce qu'on appelle les 3I, les 3 images. La carte, le terrain et la troisième, c'est ce qu'on peut mémoriser. En orientation, on travaille avec 3 images. Si un coup vous êtes paumé, ce qu'il faut regarder, les points les plus hauts déjà. Il y a un mont ici, il y a un mont là-bas, mais celui-là est plus élevé que celui-là. Donc en définitive, il ne faut pas se perdre en orientation. La carte ne bouge jamais. Une fois qu'elle est au nord, elle est au nord. C'est nous qu'on tourne autour. Là, c'est du bois blanc, c'est-à-dire le bois blanc, qu'est-ce que c'est? C'est du bois où on peut facilement courir, où on voit de très très loin quand on est en dessous. Le vert 3, on n'y va jamais, on contourne automatiquement. Donc les ronces, des trucs comme voilà, ça. Ouais. Donc là, ce qu'on appelle, ici, on va choisir un point d'attaque. C'est le point le plus précis de l'objectif à trouver. Mais instructeur, vous connaissez Koh-Lanta? Oui. Mais l'épreuve d'orientation, vous devez être trop fort. L'orientation à Koh-Lanta, c'est trop facile. Si on fait du travail comme ça, très précis, il n'y a pas de souci. Mais les gars, le cours, en vrai, je pense que pour vous, il n'a pas duré super longtemps. Mais lui, nous, vraiment, ça fait deux heures et demie au moins. Mais en fait, il nous a appris tout sur la course d'orientation. Ouais. Mais c'est un vrai game, en fait. Hein. Maintenant, on sait tout, mais maintenant, il faut retenir. Ouais, maintenant, il va falloir l'appliquer. En tout cas, merci beaucoup instructeur Lulu. Donc là on va changer un petit peu, on va rester dans l'esprit orientation. Mais là ça va être autre chose. Il va falloir rentrer dans la cabane à ours. Ah c'est un labyrinthe à l'intérieur. Voilà. Oh la dinguerie. Donc là maintenant on va voir. Il fait noir dedans. Dedans voilà, bien vu, il fait noir. Ah c'est ce que j'avais demandé ouais. Allez 3, 2, 1, c'est parti, on enchaîne. C'est parti ma Kev. Let's go. Putain c'est pas où, laisse tomber le bordel. Kev. Ah, je pense qu'il est toujours au premier sas. Ah, il y a des sas. Ah, il y a plusieurs sas, ok. Oh, l'indice. Ça va être une compète, là.
de tes pneus. Bon, t'en es où alors? Oh, ça, ça veut dire qu'il a été long, ça. Hein. Oh, je me fous dans tous les murs, laisse tomber. Oh, il va falloir que je rentre. Ouais, joli. Ah, il est sorti? Il est sorti? Ouais. Oh ouais, ouais, c'est trop chaud. Tu nous donnes pas son temps? Bah, 2 minutes 30, hein. 2 minutes 30? Ouais, on aura 2 minutes 30, c'est bien. Ok. Allez, à ton tour, Timothy. Wow, la dame. Wow. J'ai trop peur de me prendre des murs. Ah, si je passe là. Hein? Je suis bloqué. Moi, j'ai que 2 chemins. Ah, ah mais 3 en 1, alors. Là, si c'est pas le bon, tu prends l'autre. Et on peut monter? Mais attends, The Bee, c'est pas là-haut. Le temps tourne. Il a 100% perdu. Le focus. Ah, oh, c'est bon. Oh, la naissance. Ah, oh, joli. Oh, gros. C'est chaud de ouf. T'es décoiffé. Ouais, j'avoue, t'es décoiffé, frère. Autour de Wakeit, les amis. Et moi, je passerai en dernier. Il a pris combien de temps, Timout? Franchement, 5 minutes. 4 minutes 30. 4 minutes 30, ouais. Allez, 3. Il est stressé. Allez. Wow. Wesh. Mais t'entends juste des bruits, t'as l'impression qu'ils se cognent de partout. Oh, ça merde. Moi, ouais, c'est quoi ça? Si vous connaissez le chemin, instructeur Alex, en 20 secondes, c'est fait. Oui, après, c'est... voilà, c'est le premier G qui est un... Ouais. Ah, il va naître, il va naître. Oh, la naissance. Ça me tue, c'est que tout le monde est avec des pompes. Bien joué. 3 minutes 10, ouais. Bravo. 10. Ok, c'est à mon tour. 3, 2, 1, feu, go. Allez. Wesh, c'est quoi ce bordel? Ah ouais, on voit vraiment. Il y en a des vrais claustrophobes qui viennent et qui sortent. Oui, mais qui passent la tête, ils peuvent pas. Oh, ça m'a l'air d'être 100% jamais là. Ok, je suis en train de tourner en haut. Waouh, mais c'est tellement dur. Aïe, aïe, aïe. T'es content? Aïe, je crois qu'il y a la sortie. Hey, ouais, mais t'as hyper vite. Oh, je crois que t'as tué tout le monde. Ah, ouais. What the fuck. T'as tracé de fou. 2 minutes 17. 2 minutes 17 Oh, c'est avancé au truc McDo, mais dans le noir, je te jure, ça ressemble à ça. Oui, c'est vrai, il y a un peu un délire de les gars, vous êtes parce que tu passes en haut, tu passes en bas, tu te prends des trucs dans la gueule. C'est ça, c'est ouais, c'est vrai, c'est structure McDo dans le noir. C'est ça. Les amis, c'est l'heure de trouver notre campement pour ce soir. C'est important de vous faire un matelas comme tu proposes, en fait, quelque chose de confortable. Il y a des herbes, il y a des fougères, il y a des choses. Faut pas hésiter à se faire un bon matelas avant de mettre la bâche. Avant de poser la bâche, voilà. Bon bah les gars, première étape, dégager le sol. Là, normalement, on va s'installer entre ces deux arbres-là, ça devrait le faire. La bonne herbe. Eh hey, mais j'avoue, là honnêtement, il y a un matelas. Il hein. Y a un vrai matelas. Non. Quelle mon souffle dessus au moins. Je reviens par contre, mauvaise nouvelle, j'ai pas de corde. Non mais soude-nous. C'est simple, si t'as pas de corde, tu reviens pas. Si vous avez. Oh mince. Lui il veut mourir. Ouais, je préfère. En fait, j'ai pris la confiance parce que je suis derrière un téléphone. Ouais, voilà. C'est ça le problème. Twitter. Tiens, mais y'a plus d'herbe là. Mais en fait, on est grave des bons. On est en train de tondre l'herbe. J'ai tiré l'herbe, y'a toute la racine qui est venue. Non, on est grave des bons, on tond leur herbe. Pète pas dessus. Gros, t'imagines pas à quel point j'ai envie. Super long pour que ce soit ouvert. T'as trouvé de la ficelle? Ah ouais, en fait, j'ai arraché de l'herbe. Puis d'un seul coup, j'ai trouvé. Oh. Il a tissé, me. Non, en vrai, on en a. Vraiment un coup de chance. Autrement, je revenais pas. Tu m'as dit, tu reviens pas, toi. Le coup de pression. Le coup de ça a marché. On met la corde tout de suite. Tu as un vrai nœud de marin. Nœud tendeur, il faut que tu me fasses un nœud tendeur. Faut pouvoir tendre le. Alors le là, par contre, nœud tendeur et tout, je connais rien. Si, ouais, tender, ça là. Tender, ça à la limite, je connais. Tu connais, moi, je connais pas. Oh là, c'est pas mal comme ça. Gros, la tente là, elle est trop bien. Ah, what the fuck, le duvet là. Oh, c'est trempé. C'est renversé, non? Quoi? Mais Wakeit, il t'arrive tous les malheurs, sauf. Mais comme d'hab. Oh, le duvet trempé. Oh non. Il y a mon pull, bah tout, en fait, tous mes vêtements et mon duvet. Hop, et là, les gars, la tente est bien tendue de partout. Et bah, elle est terminée. Gros, on est trop bien. C'est un habitat de luxe. Oh là là. Et on peut faire un petit roule-tour de fou. Les gars. Je jure qu'on a masse espace. Regardez, je suis allongé comme ça. Et derrière, il y a encore large la place de mettre quelqu'un. On peut être fiers de nous, je pense, sur ce coup-là. Allez, pas au gros pas. Oh, le bonheur. Dégustation tuc pâté, sous les conseils de Wakeit. Je te jure que tu vas y aller. J'ai juré, c'est un banger. J'ai juré, c'est grave. Là, vous avez eu un bon réveil musculaire. On va repartir pour une séance. Vous êtes bien heureuse de nous l'annoncer. Allez, c'est parti. Ah, j'ai trop mal. Stop.
Allez Wilkins. Allez, 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 allez. Non non non, tu dois attendre. En gros il tourne, après il va te taper sur la main et c'est toi qui vas. Allez allez allez, repars, 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 repars. Wesh. Non mais arrête. Non mais arrête. Wesh, il s'est écrasé au sol. Il m'a l'air complètement bourré. Oh de fou. C'est parti. Oh la machine. C'est impossible. Il a flanché son côté. Allez, ralentis pas. Yes. Allez, cours. Non, c'est pas rond. Oh, le bâtard, il a réussi. Wow. Ouais. Ça rend la... 8 et 10, et c'est parti. Ouais, je croche pas. Oh non. Oh, la chute. Vous tenez par les épaules et vous traversez tous ensemble. Une petite chanson. Qu'est-ce que c'est serré. Au fond de cette boîte. Mais on n'est pas des sardines, nous. Yes, par-dessus, au milieu, en dessous. Stop. Pense. Allez, wake it. Allez, lève, lève. Allez, lève. Pause. 7, 8, 9, 3, 4. Là, tous mes muscles me disent stop. On va mettre des lampes frontales. Ah, c'est que c'est pas fini. C'est que c'est loin d'être fini. Comment? Ah, on prend les sacs? Ouais, vous prenez les sacs là, ouais. Je vous l'avais dit ou pas, les gars? Allez, c'est parti. En courant, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle, les gars. Là, on va partir sur du parcours collectif. Le but est que vous passiez à l'envers avec les sacs. Oh. Vas-y, envoie mon sac. Allez, vous vous rassurez. Bien joué, frérot. Allez, les gars. T'es prêt? On assure la sécurité du dernier camarade. Vas-y, vas-y. Je me suis tué une couille. Ouais, même moi. Allez, les gars, on imagine en mission. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Lâche. Bravo. Wouah. Wouah, ramper 10 kilos derrière. Ah, oh, ça devient physique là. Allez Timout, t'as vu la libération quand tu passes? Oh Wakit, Wakit, j'ai l'impression que depuis qu'on est arrivé il est à bout de force mais il continue. Ouais, normal. C'était le dernier obstacle de la soirée. Oh ouais. Maintenant on se retrouve au point de rassemblement et on fait le débrief. Oh le débrief les frères. Comment vous vous sentez? Bah ça va, j'ai juste le genou qui est en billet de coupe, sinon ça va. Bah je me sens bien dans l'ensemble, après ouais. J'ai juste une douleur à la cuisse mais pas très grave. Le but, à part c'est ça, sinon ça va. En vrai je me sens quand même bien parce que même si j'ai mal partout et tout et je sens que les muscles ils ont du mal à suivre, j'ai pas de vraie blessure ou quoi, j'ai pas vraiment mal à un endroit ou quoi, mais ça va. Bogdan, comment tu te sens? Bah c'est dur hein. C'est dur. Je crois que c'est celui qui est le plus grave. Mais en vrai je suis content parce que je lâche pas non plus, donc c'est cool. En fait, chacun c'est apporte ça. Quelque chose. Dans un groupe, il n'y a pas de maillon fort et de maillon faible. Mmh. Et c'est ça qu'il faut retenir. Bonne nuit. Ouais, allez, on va aussi. 7 heures rassemblement ici. Je pense qu'on peut être quand même super fiers de nous. C'est, t'as vu, c'est quand même encourageant. De fou, hein. Ils vont pas nous allumer, bien sûr, mais ils sont pas non plus là pour nous faire plaisir, tu vois. Bah oui. Si on se serait pas donné, ils nous l'auraient dit. Ah ouais, clairement. Pense à grand-mère, on y est, putain. Oh mon rêve. Oh Timout, ouais, je t'ai déjà dans ton duvet toi. Quoi l'équipe? Oh les gars, Timout il a perdu zéro time. Il y a tout le monde qui est en train de s'installer. Kev est déjà installé, Wiki qui s'installe. Et moi, je viens d'être installé. Je pense qu'on est tous exténués de fou. Profitez bien du sommeil parce qu'il va être court. Et demain la journée va être intense. J'ai plutôt envie de vous dire, essayez de passer une bonne nuit. Ah. Non c'est une blague. On sort? On se remet en condition, on repart. Quoi? Non mais là je veux pas tenir ça. Ah ouais non mais les gars je pensais pas que ça allait être ça. Et les gars vous avez pas pu avoir notre réaction au début parce que on était pas au courant donc j'étais loin de prendre la caméra pour filmer quand il était en train d'arriver. Ça a sifflé, il a tapé des mains. Allez allez allez. Il y a tout le monde qui s'est relevé en flip. Gros je fais plus confiance à l'être humain. D'un côté ils nous font vivre des trucs qui fait que je les déteste et de l'autre je les trouve trop charismatiques, je suis trop fan d'eux. Non je l'ai. Il est devenu Tarko ici. Mais frère, c'est insupportable. Laissez-nous vivre. Et voilà. Oh, c'était sûr. Oh, la carte. Maintenant que vous êtes au point, on va voir. La numéro 3. Oh, allez. Sachant qu'on est là. On est là, frère. Vas-y, on fait ça. De toute façon, faudra faire le point d'attaque, genre à l'intersection là. Comme ouais, tout ça à l'heure. Parle de point d'attaque, course d'orientation à 1h du matin. Ça part technique, là, c'est bien. Premier point à droite, les gars, faut qu'on y tourne. C'est bon, c'est ce chemin là, là. Donc là, je suis à 60 pas. Normalement, à 75 pas, on devrait pouvoir tourner à gauche dans le chemin. Les gars, normalement, dans 10 pas, le chemin, il est censé tourner. 10 double pas, donc 20. Allez, allez là, où il y a un autre chemin. Les gars, je l'ai. Let's go. Tombe pas.
Il y a que elle. C'est la 54. Ah, mais c'est oui, bon. Oui, c'est ça. On a trouvé la balise, chef. Ah, excellent. On fait quoi? Pour rentrer. On rentre par là? Ah, mais il va falloir. Pourquoi on fait pas demi-tour? On passe par ailleurs. Allez. Oh, wow, le saut qu'il faut faire. S'il faut, on est ça. Oh, les gars, j'ai la flemme de me. S'il faut, allège-toi et tu. Ah, vas-y. Oh. Ouais, c'est un ouais. Ouais. Ok, parfait. Ouais. Voilà. Regarde la suite du chemin. Dans l'eau? Oh, sentier. Ah, donc là, faut vraiment qu'on passe dans l'eau. Ouais, faut y aller. Vous êtes vraiment sadique, instructeur. Tête d'homme, ce que c'est pas. Bon, ni sa mère. Sa grand-mère. Oh, j'avais oublié. Ah, ça rafraîchit les pieds. Wow, elle est glaciale. What? Les gars, on va devoir nager dedans. Non. On va devoir nager dans l'eau. What the fuck? Non mais il y a des crocodiles ou quoi là? Ouais ouais, des sangsues crocodiles. Surtout quand tu stagnes comme ça. Ouais, faut pas stagner. Putain, les gars. Sa grand-mère. Attends, descends. Oh, mais couille. Ouais, c'est bon, c'est passé. Oh, je suis en train de mourir là, chef. Mais les gars, venez, on avance, venez, on avance. Putain de sa mère. Venez, on avance. Il faut avancer les gars. Qui avance? C'est bon, allez, ça s'il vous plaît. Timou de trace. Sur le côté, on ressort. Allez, côté. On ressort. Oh putain. Allez, 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 monte, monte, monte. Oh, le réveil. Le plus catastrophique de ma vie. C'est bon? Ah ouais. Putain. Ça va, Ricky? Ouais, je me suis trompé d'itinéraire, c'est pour ça là. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, bah. J'ai fait une erreur là, je suis resté pas par là. Voilà. Quoi? On fait quoi là, instructeur? On traverse la route, on passe sous la route. Oh, non, mais là, alors là, oui, ok, là on est des militaires. Hein. Mais, non, mais gros, ça fait bader, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin. Non, mais attends, mais là c'est baisé. Tu sais quoi, je regrette clairement d'être passé en premier. Il y a des araignées de malades partout. What? Attends, oh, sa grand-mère! Non, sa grand-mère, ça fait flipper. Attends. Non, là j'ai une phobie des araignées, moi. Oh, Lisa, et les gars, je vais y aller en fermant les yeux. Je vais devant, sans réfléchir. Putain, t'as vu les araignées qu'il y a? Je regarde pas, frère, ta gueule. Mec, y'a une énorme là. Tais-toi, ça me dégoûte, j'ai l'impression que je les sens dans mon cul. T'as réussi? Ouais, c'est bon. Y'a une phobie que je voulais pas te dire, qui était la phobie des araignées. Ouais. Et passer dans une cuve comme ça, avec des petites araignées partout à droite à gauche. Wow. Bravo à vous, en tout cas, c'est la partie CO, vous avez géré. Derrière, vous avez joué le jeu, vous avez été tous dans l'eau, vous êtes entraînés pour sortir. Oh. Donc là, ce que vous faites, vous vous mettez en tente, vous avez comme mission de tenir la garde. Il va falloir vous organiser entre vous. Il faut qu'il y en a qui fassent une ronde. Ah c'est oui. Compris pour tout le monde. Attendez, donc vous êtes là, mais on n'a pas l'heure. Du coup, ça il y en a un qui bah, vous organisez. Oh, un de vous qui assure la sécurité du bivouac. Oh, c'est terrible, ça, c'est terrible. C'est la pire info. Ouais, c'est la pire info. Donc là, les gars, on a l'ordre. Tu fais en premier, Timoud, t'es deuxième. Moi, je fais en troisième et toi, tu fais en quatrième. C'est ça. Bon, donc là, on retourne tous se coucher, sauf Kev. Je tiens la garde. En vrai, une heure et demie, pas deux heures. Vas-y, bah Kev, courage hein. Du coup, là, c'est bon, je pars faire la ronde. Je vais m'éloigner un peu du camp pour voir s'il y a rien autour. C'est un peu flippé quand même. Et le Mimine, on traverse le ponton ensemble. Vas-y, passe en premier. Là, je sais pas, genre, combien de temps ça fait. Ils sont là, ils font dodo. Je sais pas ce que c'est comme animal qui fait ça. C'était le dernier... Oh putain, j'arrive plus à parler, j'ai froid et tout là. En gros, c'était mon dernier aller-retour. Et puis voilà, après l'objectif, c'est d'aller bah, réveiller Timout. Timout, désolé. Timout. Timout. Ouais, c'est qui? Excuse. C'est à ton tour. Ah ouais. Bon les gars, ça va, hein. On va dire que j'ai la flemme. Je dormais extrêmement bien alors qu'on était sur du sol. Les gars, pour vous dire, Kevin il m'a dit un aller-retour de ici jusqu'au camp de base, c'est 10 minutes. J'ai fait 7 allers-retours. À chaque aller-retour, je perdais du temps là-bas parce que je m'arrêtais, je lisais des trucs, je m'amusais avec le chat, je sais pas, je faisais n'importe quoi. Du coup, je pense que j'ai bien fait l'une heure et demie, en tout cas, j'espère. Maintenant, je vais réveiller Miguel. Mig! De quoi? C'est l'heure. Oh putain. Si tu veux, je peux te donner ma pompote, le ticket de caisse du McDo pour lire. Je sais que ça m'a fait perdre du temps, moi. Non, t'inquiète. J'arrive pas à croire que c'est à mon tour, là. Il doit être 3h30 du matin. Il faut que je remette mon pantalon tout trempé, putain de merde. Les chaussettes. Ouais, j'ai l'impression d'être dans Slenderman, là. Oh, c'est tellement dur. Notre seul moment réel de repos, bah il est là et il est en train de passer. Sauf que moi je suis obligé de veiller, de surveiller qu'il y ait personne de dangereux et tout. Oh le chat, t'es un malade. J'ai fait une crise cardiaque là. J'en profite, si vous kiffez la vidéo, dites-le moi déjà, ça fait toujours plaisir à savoir. Et au moins je sais quel genre de contenu vous kiffez. Petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne si c'est pas déjà fait. On s'approche des 9 millions d'abonnés. Et 9 millions d'abos, j'aurai une surprise pour vous les gars. Donc voilà. C'est vraiment la nuit la plus stressante de ma vie. Je suis là, je balaye la zone avec ma lampe torche. Ah, ah,
vite. Arrête. Wesh, c'est quoi ce bordel? Oh, sa grand-mère. Non, c'est pas possible. Attends, mais il est juste venu me faire flipper. Oh, la crise cardiaque, putain de merde. S'il y a un mec là, en condition réelle, qu'est-ce que je vais faire? Rien du tout. T'es ma réaction. En fait, j'allais vous dire, le fait de balayer la zone avec ma lampe torche, là, tout à gauche, je vois rien. Et d'un seul coup, c'est éclairé. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un, je le vois pas. Et d'un seul coup, il peut spawn devant mes yeux, tu vois. Oh, les gars, le cœur, comment il bat là? Attends, mais c'est un lapin, on le voit. J'ai vu un lapin sauvage. Je pense que ça va être le moment d'aller réveiller Wakit. Wakit, c'est à toi. Je te laisse reprendre le relais. C'est parti, c'est à mon tour. Dernier passage du coup. Tête de WAM, j'ai trop mal dormi. En fait, le fait que tout le monde se réveille toutes les deux heures, bah t'es toujours à l'affût. Je m'aurais pas du tout renchaîné une journée comme ça, frère. J'ai dormi réellement deux heures. J'ai des crampes monstrueuses. J'ai la jambe droite qui est immobilisée. Du coup, là, il doit être 6 heures environ. Je marche un peu au hasard. C'est à peu près les coins de la map. Et voilà. Alors, les gars, il y a les instructeurs qui sont arrivés. Donc là, je suis retour au campement. Ils m'ont dit de dire OK à la radio. Et je pense qu'ils vont mettre un réveil ou quelque chose comme ça parce que il est 7h. Ok. Hey les gars. Bonjour Maxime, vous me recevez? Vous vous réveillez là? Oh, je suis KO. Faut que je me rendorme encore là. Bah frérot, lève-toi hein. J'y arrive pas à y croire. On part pour le jour 2. Oh bordel. Mec, en vrai, j'ai pas bien dormi du tout. J'ai bien dormi parce que j'en avais besoin, mais j'ai mis trop longtemps à m'endormir. Oh les choses, mais elles sont pas mouillées, elles sont glaciales. C'est pareil, ouais. Je compte sur l'après-midi pour qu'il y ait du soleil qui tape sa mère et que nos chaussures sèchent. Ouais. Je veux voir comment tu marches. Non mais là il te faut une canne là. Mais il faut une canne frère. Oh ça grand. Gros j'arrive même pas à plier mon genou. Les deux ils sont une démarche. Il y a un nouveau instructeur. On a deux blessés avec nous. Bonjour. Bonjour. Instructeur Krao. Enchanté. Et du coup, vous avez pas dit de arriver au bout d'un quart d'heure? Si, mais pas de. Oh la tête-toi, me le quitter, j'avais pas. Là-bas, il faut que tu sois à table, tu vas te poser sac à dos, c'est parti, on part en footing. Parce que bon, après, il y a un truc, c'est-à-dire quand on vous dit quelque chose, c'est pour arriver de suite. Là, vous êtes venu quoi? En vacances? Un camp de vacances? Vous êtes venu faire quoi? Oh, ça fait mal. T'as une couille qui va exploser ou quoi? Non, c'est on dit, hein. T'as une couille qui explose, tu perds les mains. Hein. C'est pareil, qu'est-ce que t'as froid? Oh, un peu, ouais. Pourquoi t'as pas froid? Parce que t'es fier. Enlève les mains des poches. Voilà. Et là du coup, ça s'est passé quoi avec les cheveux? C'est une longue histoire. C'est bien, bah c'est parti. Allez, let's go les gars. Allez, petit déj, dépêchez-vous. Oh, c'est vrai? Allez, dépêchez-vous. Oh! J'allais être aigri, il m'a redonné le sourire. Ça va, oui. Vraiment, j'y croyais vraiment là. Ça m'étonnait pas. Ah, bah oui, non, mais en plus, ça m'étonnait pas. Oh! J'arrive pas à croire qu'on a un vrai petit déj de fou comme ça. Les gars, je sais pas ce qu'il nous réserve l'entraînement, mais. De toute façon, déjà, rien que le fait qu'on ait des courbatures de partout, c'est forcément plus dur. Ok, bon, ce qu'on va faire, comme il peut pas marcher, donc déjà, bah, vous allez le porter. Oh, tu casses! T'es bien quand même. Hein. Timoud, t'es devenu un objet. Bon, bah, Kev, dès que tu sens que t'en peux plus, tu me dis. C'est quoi que j'en peux plus? Oh là là, je sens que ça va être une dinguerie ça. C'est parti, on descend, on vient toucher les pecs. On remonte. 3, 5, en bas. Ça va, je vaux bien, je vaux bien. Ah, tu peux y aller là? Non, non. Cherche pas, t'es devenu un exercice pour vous. Devenu un exercice. Voilà. Là, pour le passage ici, vous le posez par terre, allongé. Je prends. Wow. Ah ouais. Pour la montée, soit vous prenez par les bras, tu peux l'allonger par terre. 1, 2, 3. Bon bah comme vous avez mal au bras, ta sanglier est super simple. Je monte, ensuite je monte mes jambes. 1. Hein. Oh, oh. Allez, c'est trop long là. Oh mec, ça va, ça va. Ouais, c'est mal au moins. Ouais, t'as mal au moins, mais ça c'est dans la tête maintenant. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va faire un tous ensemble, mais on va basculer de corde, on va basculer de l'autre côté. Allez, allez Wakit. T'as de la marge, hein. C'est d'abord la tête qui lâche avant le corps. Okay. Donc pour l'instant c'est son mental qui est en train de lâcher, donc il va arrêter de faire la crevure, il accroche la corde et il descend. Allez, arrête de faire ta crevure là. Je travaille avec ces mains là moi. Il va se mettre en arrêt maladie, c'est sûr. On t'attend hein, je veux dire autrement à part ça. Hein. Oh, comment ça met la pression. Allez, maintenant tu le portes maintenant. T'es devenu sa cible frérot. Il y en a un, il est en retard, il a pas le droit d'être en retard. On l'attend tous, ça met la pression en fait. T'as pas envie d'être le dernier. Ça redescend, okay. Ça touche, tac, et ça repart. Ah ouais. Et attention, je veux voir un truc tonique hein.
Ouah. Bien. Ouah, mais ça fait même les jambes en vrai. Oh. Allez, Timoute, la puissance. C'est ça. Oh, j'arrive plus. Tire sur ce corps, là. Comment il te reste à faire? Autant te dire que si tu lâches, on est reparti pour en faire autant chacun. Oh non. Je peux te dire que maintenant, la vie du groupe dépend de toi. Donc, Timoute. Voilà. Merci, je suis mort. Ouais. Toi t'as une boule. T'as une seule chance. Toi la petite fenêtre là, faut que ça rentre dedans. Si tu la passes du premier coup, on rentre, c'est terminé. Soit tu la rentres pas du premier coup et on continue. Oh s'il te plaît, oui. T'as tellement de responsabilités entre tes mains là. C'est génial. Pas très loin. C'est génial. Allez. On va jusqu'à 5 ans, c'est parti. Oh 5. 6. Allez, Wikit. Mais Wikit. On commence. Hein, faut dire 7. Faut dire 7. 7. Wikit, il est éteint mentalement. Oh, moi, et 8. 17. Ah, mes abdos. 50. 50. Et reprends une boule, je te fais un lancer. Tu sais, faire un truc. Un lancer puissant. Allez, Wikit. Mais oh, c'est quoi ce lancer? T'es nul. Allez les gars, retour de guerrier. Putain, Timoute, t'as un vrai beau petit cul. Hein. C'est tellement différent de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et je me plaindrai plus jamais en faisant du sport en mode ah, ça me fait mal. C'est pas vrai. De quoi? C'est que d'ici 2 semaines, t'auras oublié ce truc et tu vas te plaindre. Hein. Bah oui, mais rien que là, l'entraînement, il me remet les idées en place en mode franchement, d'habitude, ça va. Je pense qu'on va te préserver sur l'activité là. Timoute, t'es dispensé, frérot. Ah, j'ai vraiment trop mal. Ah, il fait pas le. Putain, ça fait seulement 24 heures qu'on est là. Il y a déjà 2 forfaits. Ils sont encore avec nous dans l'aventure, etc. Ils devraient rester jusqu'à la fin. Timoute, c'est même pas sûr. Hein. Kevin, Michou, je vous laisse vous mettre au départ du parcours. Puis Krao et instructeur Alex vous attendront à la réception. Allez, c'est parti. Le parcours est long. Faut le finir. Ah, je vais te forcer. Ah. Vas-y, Kev. Oh, j'ai plus d'énergie. Ah, c'est super ça. Oh là, il va falloir sprinter. Joli, joli. Putain, mais je comprends pourquoi dans Koh Lanta ils marchent, les gens. Ça t'en fait du poids. Oh. C'est ultra chaud. T'as encore mis. Voilà. Allez, c'est ça. Moi, j'ai pas de cardio. Je suis plus puissant et moins agile. Et le parcours est tellement long. Ah! Viens là, 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 viens La cloche. Allez, en face. Allez, Kevin, la En face. C'est parti, quand tu veux. Voilà. Combativité, tu vas jusqu'au bout. J'en peux plus. Encore, tu peux encore. Non. Encore. Vas-y, Kev, okay, encore. Mort, tu peux le faire, frérot. Là, je suis mort. Tu fais quoi, là? C'est tout? C'est fini. Oh, putain. Ouais, bravo. Super, les gars. Bah en 2 épreuves de plus, vraiment je m'évanouissais. Ah donne pas envie. Ah, ouais. Frérot, après tous les efforts que j'ai fait, je mérite pas mieux que ça là. Lâche un croc, vas-y. On va repartir sur une petite mission commando. Oh non, le retour de l'eau. À chaque fois que mes chaussures commencent à sécher, on retourne dans l'eau. On va vous demander de traverser, donc de venir ici de l'autre côté. Vous aurez un élément à déplacer. C'est quoi qu'on transporte? C'est que la corde? La caisse. C'est la caisse. Traverser. Go. Allez, go. On prend la caisse.
Ça va les gars? Allez, 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 allez. Pensez que vous êtes en collectif. Tu le portes ou je te porte? Non, tu peux tout voir, c'est trop fond. Tu peux descendre. Ouais, joli, c'est mieux déjà. Allez les gars, vous êtes des commandos là. Je les appuie. Ouais, joli, c'est bien. Je suis coincé. Fais gaffe. Ok les gars, vas-y, envoie leur la corde. Vous y arrivez? Oh, Kev le monstre. Je vais t'aider et Kev, il te donne la main. Ouais, joli, hein. Allez, bravo. Moi, par contre, je trouve pas assez mouillé. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que vous replongez là-dedans, je vais plus vous voir. Dans la flotte, tout de suite, je vais plus vous voir. Cachez-vous. Cachez-vous. Cachez-vous, je vais plus vous voir. Allez, il y a des méchants qui arrivent sur zone, là. Il y a les ennemis. Cachez-vous. Cachez-vous. Je vais plus vous voir. Allez, super. T'as vu plus la tasse quand... C'est ça la douche. C'est ça la douche que je vous avais promis tout à l'heure. Non, vous avez promis la douche. Bah si. Je pensais vraiment pas que j'allais avoir les couilles de mettre la tête dans l'eau. T'as vu la gueule de l'eau? En temps normal, tu vois une marque comme ça. Et ton pote il dit... Stagnant comme ça. Ton pote il dit, hé, Proba, tu mets ta tête dans l'eau. On se regarde tous en mode, oui, bon, allez, c'est impossible. Là, on l'a fait tous les quatre. Là, on l'a fait tous les quatre sans broncher. Comment? Je suis trop bête. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Tu vois là, mais là, là c'est dur. On était en train de poser les caisses et les ont mis là. Après, il a dit, bon, mettez là. Et après, ils l'ont mis là et il a dit, non, finalement, remettez là. Et du coup, moi, en rigolant, j'ai dit, oh le bat. Allez, en position, c'est parti là, allez. En vrai, c'est mérité. Pour toi, pour nous. Ouais, c'est vrai, c'est que pour moi à la base. Je commence. Allez, on reste en bas. Oh non. Faut qu'il y ait le mot d'excuse là. Je suis désolé, j'aurais jamais dû dire ça, j'ai dépassé les bornes. Vous êtes bien là, non? Désolé, instructeur. Oh, super bien. Instructeur Alex, je suis sincèrement désolé, je pensais pas ce que j'ai dit. Allez, on remonte. On va vous changer. Donc, on va donner un pantalon. Une veste. On peut changer le calbar. Oh, le bonheur même. Non, on va changer le pantalon. On aura un pantalon sec. Mais là, on va clairement être en mode, ça y est, la tête de homme, je vais drip avec. On est en mode bootcamp militaire là, c'est sérieux. J'adore. Les amis, on va quand même à la douche. On a négocié à la base, il n'y a pas de douche, etc. Mais en gros, il y a un lavabo. Et à partir de ça, il va nous montrer comment nous doucher. Attends, mais c'est vraiment ça. Ah oui, d'accord. Dites-vous, ma serviette, c'est mon sweat. Allez, allez, c'est parti. Allonge-toi là. Baisse-toi. Oh, la douche, t'arrives fou. Ouais, joli. Faut rester propre. Pense à l'intérieur. Oh, ouais, de c'est ouf. Important. Ouais. L'hygiène, c'est important. Hein. Ouais, ouais. C'est bon. Allez, serviette. Ouais. Oh, la serviette, c'est mon sweat. Et tu t'équipes. Oh, mon steak, il est petit. Là, je l'avais encore vu. Il phase sur sa queue. J'ai tellement une petite queue que ça m'impressionne. T'as vu la douche, ça fait du bien, hein. Elle fait trop du bien. Bon, aidez-moi à sortir, par pitié. Oui, tu l'as réussi. Non, mais t'es vraiment bloqué là. C'est emprisonné. Non, mais il a 4 ans, en fait, faut l'aider. Voilà, merci qui? Merci papa. Wesh, il est habillé. Fais voir un petit peu. Oh lolo. Voilà, c'est un vrai commando. Hein. Oh, c'est la meilleure nouvelle. Faut pas léger. Vous en prenez deux chacun. De quoi? Des barres. C'est notre. Ouais. En fait, c'est repas léger ce midi, donc c'est deux barres de céréales et des fruits. Ok. Pour que vous appréciez plus le repas de ce soir. Je vous renvoie à la casa. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites la sieste, vous avez 40 minutes. Oh, le bonheur. On prend notre sac, on mange dans la tente. Non, le repas, il est fatigué. Hein. Bon, on est de retour au camp. Ils nous ont donné de quoi manger. Vous avez vu, on a des bananes, pommes et barres de céréales. Donc, repas très léger pour ce midi. Il doit y avoir deux raisons. Peut-être que ce soir, on peut avoir un bête de repas. Et aussi, je pense qu'il y a une deuxième raison. Et ça, j'y crois plus que la première. On va faire je pense beaucoup que d'efforts cet après-midi. Voilà, cet après-midi, on va faire beaucoup d'efforts. Et du coup, faut pas trop manger. En plus, là, c'est bien au soleil. Je te dis, d'ailleurs, moins que tout sèche assez rapidement, en vrai. Les gars, le repas de ce midi, c'est vraiment un fruit chacun et deux barres de céréales chacun. C'est vraiment pas grand-chose. On savourait. Calme-toi, frérot, t'en as qu'une de pomme. Hein. Justement. Ah mais je comprends pourquoi j'ai mal au petit doigt de pied. Les gars, regardez-moi ça, la cloque de fou que j'ai au petit doigt de pied. Elle dégoûte. C'est leurs mini-siestes là. Waouh. On vient de recevoir un appel au Toki. Ouais. On doit être au point de rassemblement dans 5 minutes. Mais non mais les gars, c'est une blague. On vient à peine de s'allonger. Allez, les gars, on bombe le torse. On est des commandos. T'es commando tout seul hein. Vas-y, t'es commando aussi. Oh putain.
Y'a Lulu. Le retour d'instructeur Lulu. Bon, ça va? Bien dormi? Bonjour. Bien dormi, on aurait pu mieux dormir, mais ça va. On a une mission, les amis, qui nous est confiée. Il va falloir retrouver une balise. Je vous donne maximum 15 minutes. Oui, quitte, on va courir. Hein. D'accord. En gros, nous, notre balise qu'on cherche, elle est là. Pour moi, le moyen le plus strat d'y aller, c'est d'y aller par la route. Et une fois qu'on sera là, il y a un chemin, on fera le tour du chemin et il y a la balise 40. Allez, go! Normalement, il y a une grande route, on va à gauche. La balise, elle est quelque part dans cette zone. Et on va se fumer les pieds. Et au moins, on prend un raccourci. C'est sûr, hein? En vrai, je suis pas sûr, mais on tente. Oh, sa mère qui déroule. Wow. Ok, là, on a pris. Ah, mais on a pas du tout pris un raccourci. Oh, tu casses les couilles. En fait, on pouvait se rentrer comme ça. À tout moment, la balise, elle est quelque part à droite. Y'a rien à droite. C'est l'épreuve de Ranta, c'est pour Ranta. On doit pas être derrière Timou. Ah, mais on est au coin. On aurait pu passer par là, je vais te faire tout le tour. Peut-être faut passer là. Mais on y revient, frère. Ah, mais t'es là? Bah oui. Faut passer là alors. T'as l'air vachement sûr de toi, mais bon. Je mets ma main à couper maintenant. Fais gaffe, il y a une merde pareille. Elle est là, c'est part. On voit pas là-bas. Si, c'est ça. Ah ouais. On a la valise. Let's go. Valise numéro 40. C'est bien celle qui nous a dit. Hop, et voilà. Bon, viens, on trace. Kev, c'est sûr, il l'a depuis belle durée. Donc. Oh merde. Ah mais la rivière de merde. En vrai la colonne, le saut ça se fait hein. Mais non frère. Si je me foire c'est pas drôle. Fais gaffe frère. Waouh le bâtard. Oh le saut de baiser. Oh. Oh le rattrapage. Bon vas-y on quitte Mon courage mais cours vite parce que là. Ouais j'avoue. Allez go. Bon les gars j'ai pris un raccourci de fou. Oh y'a Jack et Timout. Jure j'ai trop le seum. Gros rien que te voir t'étirer ça me fatigue. Ça va Timout? Non j'ai trop mal frère. Mais gros en vrai t'en faut. Je pense faut vraiment limite tu pars et tu te fais soigner non? Mais en fait ça me casse les couilles. Non mais parce que là t'as l'air. J'ai pas envie de partir. Là mais ouais mais là t'as l'air de réagir comme si t'as mal mais en mode blessé quoi. C'est pas en mode t'as une douleur et quand tu te reposes ça va. Avant t'as vu dès que je marchais ça allait. Là ça va. Même quand si tu marches marche pas. Même si je marche. Et quand je marche pas, c'est quand même là. Pas aussi fort que quand je marche, mais c'est quand même là, genre. Ouais, donc c'est que t'es blessé, frère. Hein. Casse les couilles. Mais en vrai, si ça se trouve, gros, ce soir, pars, dors à l'hôtel. Hein. En vrai de vrai, hein. Non, mais je comprends que t'as pas envie. Mais t'en as peut-être besoin, genre. On est là, ok, sympa. Et là maintenant, on va aller se faire une séance tranquille, un peu de fight, tu vois. Parce qu'on va commencer un truc super simple. On va simplement travailler sur la position de la garde. Donc si t'es droitier, t'as la jambe gauche devant. Ah, donc moi la jambe droite. Maintenant, vous allez reculer votre jambe arrière et vous gardez le bassin droit. Et ça vous donne à peu près l'écartement. Si tu vas vers l'avant, c'est ta jambe avant qui avance d'abord. Et c'est ta jambe arrière qui suit. Si j'avance, si je vais à droite... Toujours en garde, en fait. Et pourquoi? Parce que toujours en garde. À vous deux, tu te déplaces. C'est trop marrant, il me suit partout. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir le direct du bras avant. Je suis là, devant toi, je fais ça. Et quand j'ai décidé, bam, oh ouais. J'envoie une droite. Mets tes poings comme ça. Aïe, hein. Oh, j'ai pris un revers, là. Prêt, hein. Ok. Tu vas venir sur moi, et t'as open bar sur ma tronche, et tu envoies autant du direct que du crochet, quand tu veux. Elle est belle. Il est bon. Ouah, comment ça crève. Oui. Tu m'as bien secoué. Elle envoie des vraies belles de oui. Devant. Toi, Timo, ouais, ta technique, elle était pas mal. Ouais, t'as vu. Rester derrière la corde. C'est une technique pacifiste. Là, on va anticiper un petit travail qui va que vous restituerez peut-être ce soir. C'est comment neutraliser une sentinelle. Il la neutralise. C'est un sniper. Le sentinelle, c'est celui qui monte la garde. Un camp et demi. Ok. L'idée, c'est de la neutraliser en silence, quoi. Donc, soit en marchant tel le. Toi, le caméléon. Tu choisis. Soit tu rampes, tu vas te retrouver à proximité de lui. Nous, ce qu'on veut, tu veux le tomber au sol. Essaye de te redresser. Mais en fait, tu vas arriver derrière lui et dans un même temps, il faut arriver à le plier un peu, le choper. Là, tu l'accompagnes pour l'exercice. En même temps, bam, tu tombes dessus. Tu lui mets un genou sur le coude. Tu lui mets les mains dans le dos. Là, bim, voilà. Normalement, on l'a baïonné. Ou tu lui fais, tu lui enlèves ta chaussette qui a 15 jours de mission qui pue. Tu lui mets dans la bouche, là. Voilà, et là. Moi, je suis plus technique de la cigale. Pam, pam. Voilà. Oh merde, je peux plus respirer. Tu bascules. Tu récupères ce bras. Bam, comme les flics. Hop là, c'est fini. Bon, c'est pas on apprenait ça, mais bon. En approchant en douceur. Putain, je me fais trop chier. C'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un dans le monde. Oh, je le bascule.
Aïe, c'était un peu trop fluide à mon goût là. C'est un ancien keuf. Mais ouais, t'as un ancien keuf, mec. Magnifique. Hein, pour l'opération de ce soir, vous avez à peu près les éléments en main. On vient de nous dire que prochaine activité, et ça fait partie du jeu, c'est même pas en vrai pour la vidéo ou quoi, l'instructeur Krao et instructeur Laurie vont nous faire passer un entretien. Je me dis, autant le filmer, on va être chacun les uns les autres dans notre coin, on va pouvoir dire réellement ce qu'on pense de l'aventure. Donc je pense que c'est super cool. Kevin, c'est important pour nous de savoir comment tu te sens. Mentalement, je me sens bien. Physiquement, j'ai eu un petit moment de faiblesse avec une cuisse, mais la cuisse va mieux. Premier mot qui vient là, chez toi, c'est bienveillant. C'est quoi aujourd'hui ta perception du monde ? Par exemple, on a une routine, enfin on catégorise métro, boulot, dodo. On s'enferme dans une routine où on veut de l'argent, pour avoir de l'argent, enfin un travail, et ainsi de suite. Et en fait, des fois, on oublie qu'on est humain et qu'on veut vivre des aventures et qu'on peut pas les vivre parce que on a un train de vie qui nous oblige d'être dans une boucle infernale. Bah, des fois, je me dis peut-être que c'est mieux de revenir un peu aux sources et vivre plus de trucs. T'as des projets déjà ? Il y a des choses que tu envisages ? Non, j'ai des enfants en bas âge, tout ça. Donc pour l'instant, c'est pas... T'es papa. Voilà. D'où ce rôle protecteur que t'as envers le reste du groupe, ça ressort de toute façon chez toi. Hein. Donc on voit que t'as quand même t'as une bonne confiance en toi, t'es sûr de toi, t'as un bon état d'esprit, ça se voit. Merci à toi. Je te laisse prendre ton sac et te diriger vers ton bivouac. Aïe! Oh, mais t'es un malade! Tu sais, je voulais te viser toi! J'arrive, instructeur! Allez, les gars, bisous! Moi, pose ton sac et rentre dans le cercle. Bon, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que je fous là? Je voulais tester l'expérience un peu militaire, on va dire. Je sais pas, je trouve ça cool d'avoir quelqu'un qui te cadre, te dit tu dois faire ça. C'est une nouvelle aventure, j'avais envie d'essayer. Et puis partager ça avec les gens aussi, en vrai. Pour l'instant, tu remplis les conditions, on voit que t'es vaillant. Du coup, ce côté discipline, c'est parce que tu veux un peu décharger un petit peu des responsabilités que t'as actuellement. Le fait un peu de couper les ponts, de te faire driver un petit peu, c'est parce que c'est. Ah, en vrai, je sais même pas. Peut-être. C'est vrai que j'en parle souvent en ce moment en mode j'ai beaucoup de responsabilités et tout. C'est vrai que c'est un truc qui me pèse un peu. Après, j'aurais envie de dire non, c'est pas ça qui m'a poussé. En fait, c'est naturellement, je sais pas, j'ai peut-être vu des trucs passer sur les réseaux ou enfin, je sais pas. J'ai cette idée qui a apparu dans ma tête en mode j'ai envie de faire un truc cadré un peu, un bootcamp en fait, où vraiment pendant 3 jours on est coupé du monde et en mode militaire. Depuis, bah j'ai pas lâché l'idée et aujourd'hui on est là. Tu dis souvent que t'es pas manuel. Je pense pas qu'il y a un truc en particulier qui fait que je me sente pas manuel. J'ai un côté débrouillard. Et dès que il va falloir attacher des choses, créer un truc et tout, je suis vraiment trop nul. Tu voulais du dépassement de toi ? Là, on voit quand même que c'est bon, t'avais des qualités physiques, t'as des qualités mentales, t'as des réelles qualités de leadership. Et on voit que pour l'instant, avec les deux copains qui sont un peu plus dans le dur, c'est toi qui les tiens. Après, le côté leadership, je m'en rends pas forcément compte. Après, l'avantage du truc du leadership, c'est qu'en fait, tu le sais pas vraiment. Parce qu'il n'y a pas de code, pas de manuel pour dire j'ai du leadership. T'as des gars qui veulent avoir du leadership et qu'en auront jamais. En tout cas, merci pour l'instant pour ce que j'ai vu, mais c'est pas terminé. Ce soir, il y a l'OP ce soir. L'OP, j'ai trop hâte. Vous êtes à ma pogne. Oh, le bonheur d'aller dans le bivouac par contre. Matt Kev, t'as vu les questions? Et en fait, c'est dans un mood particulier et genre ça peut te faire monter facilement les émotions et tout. En fait, ça fait réfléchir sur soi-même, hein. Putain, c'est un vrai truc. Donc pourquoi t'es venu ici toi? Bah en premier lieu, du coup Michou m'a invité pour cadrer et tout ça. Et puis j'ai accepté parce que ça fait une expérience de fou. Et je pense que de moi-même, j'aurais jamais tenté l'expérience en vrai de vrai. Tu t'estimes satisfait de toi? T'es content de toi, je veux dire? Moi je suis content de moi, ouais. Mais j'ai toujours envie d'évoluer. Donc jamais je suis satisfait de moi en réalité. Dans le travail, partout en vrai de vrai. T'as un bon état d'esprit, je dirais. Tu rends pas compte, mais t'as même au même titre que tes copains. Donc ça c'est quand même une très grosse qualité. T'as peut-être pas la réussite, mais t'as la confiance. Ok. Ouais. Et ça c'est bien. T'as démontré quand même que t'avais des valeurs de bonhomme quoi. Mmh. Voilà. Bah, merci beaucoup. Donc toi tu as mis fin à l'aventure par rapport à une blessure. Donc on va te demander de nous remettre ton brassard. Je reprends ton brassard, je tiens vraiment à te féliciter. Je sais, je te l'ai déjà répété, mais là je te le répète encore. Moi j'ai vu quelqu'un qui a vomi et qui, même pas 5 secondes après, a fait 2 montées de corde enchaînées jusqu'en haut. J'ai pas vu de personne vomir souvent, mais quand ça s'est vu, en général, c'était terminé. Je suis archi fier de moi parce que il y a plein de moments où j'aurais pu me dire waouh non là j'en peux plus, ça y est, j'arrête de faire des pompes, des abdos, j'arrête, j'en peux plus, j'ai trop mal. Je me suis conditionné à me dire juste tu continues, tu te tais. Bah ça a marché parce que je me suis jamais vraiment arrêté. Même ça m'a donné grave confiance en moi. Enfin je me suis un peu redécouvert on va dire. Ouais, en tout cas très bon état d'esprit. Bravo à toi. Vous avez vu, je viens de finir mon interview. Vous l'avez compris, moi je lâche cette aventure parce que en fait j'apprends trop une plus grosse blessure que ce que j'ai déjà. Et j'ai pas envie que ça empire. Pensez à votre santé avant de penser à vos objectifs. En vrai, je m'en veux un peu quand même. Et voilà. Pardon les gars.
Alors ? Et en vrai, je m'en veux de ouf. Hein. Moi, je serai pas avec vous ce soir. Ouais. Ah, jure. Tu rends le brassard, genre ? Frère, il y a plus là. Ah, tu l'as rendu ? Je pars même pas de mon plein gré, genre. En vrai, je pense que c'est la meilleure solution pour moi, genre, pour dire de pas empirer déjà ce que non, c'est. En vrai, tu vois. Non, mais en vrai, gros. T'as trop raison, frère. C'est normal, ouais. Je connais Timout, il s'est vraiment poussé à bout. Pourquoi on lui laisse ? L'heure de manger. Oh ! On arrive, pas de soucis. Bien joué, t'as dosé la réponse. Mais en vrai, on est tous heureux. Mais je jure, j'ai le doute. Et en fait, depuis le début, c'est fourbe. Donc là, moi, je m'attends à rien. Frère, on a tellement peu de manger ce midi qu'ils peuvent pas nous ouais, faire ça. Je pense qu'on est obligé de manger. On est un bout de camp. Mais après, oui, mais non, de Watt, frère, ils veulent juste te pousser à vous. Mais ouais, mais là, on est obligé de manger. Putain, je suis curieux là. C'est bourbier. Je suis curieux. Le repas. Oh le festin. Oh le festin des rois. Oh le festin. Hier soir, vous avez choisi votre hymne. Du coup, ça vous a inspiré pour le repas de ce soir. Une petite chanson. Qu'est-ce que c'est serré au fond de cette boîte. Mais on n'est pas des sardines, nous. Ce matin, ça nous a inspiré pour le réveil. Et puis on s'est dit, ça pourrait peut-être nous inspirer pour le repas aussi. Je vous laisse avec Rao. On va vous expliquer la suite. What the fuck. Là, on est dans le dur. Vous avez de la chance et plein d'oméga 3. Comment ça marche? Alors ça marche pas, parce que ça nage. Pas mal celle-là. La tête. Ah. Pas la tête. Bah enlève la tête. Ah quoi ? Ah quoi ? C'est parti là. On n'oublie pas de se lécher les doigts. Ah bah là oui. C'est... Bah là j'en raffole. Les gars, je déteste le poisson, ça me terrifie. T'as entendu ce qu'il a dit ? Faut pas manger dans la panique, faut apprécier. Bravo. Bon bah. Tu me croques un peu, il y a un petit morceau à jeter, si tu sens que ça accroche un peu. On est des commandos, c'est bon, j'ai peur de rien, on est plus assez après. Savoure. Oh le goût jugulant. Ah c'est la meilleure partie ça. Bon bah on continue. Ah ça c'est le meilleur. Bah je me suis régalé. Allez les gars, le courage. Ah mais t'as mangé quel? Ouais. Mais la tête. Mmh. Ouais, il dit rien. Motive. Il dit rien. Ce motif t'es prêt. Monstrueux. Tiens Timo, tu nous accompagnes quand même jusqu'au bout. Hein. Ah. J'avoue. Ah. Ah. Je vais vomir. Ça va frérot? Oh, c'est pas oh non mais arrête. Mais t'as tout gaspillé. En gros, ça me. J'ai déjà envie de bug. Oh, si. T'as vu t'es à. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Voilà, c'est bon. On est des commandos. C'était excellent. Oh, Timo, tu pleures. Il est gros, ça me dégoûte. Bon. Ouais, il est ému. Vous avez vu, ça nous submerge d'émotions. Mais donc, c'était vraiment ça notre truc, les gars. C'est qu'il y a une boussole sur lui. Ce soir, opération. On doit détruire une centrale électrique. On va être mis en place en saut en parachute dans cette zone ici. Quoi ? En saut en parachute. Alors attention, ça c'est. Ah, oui, okay. Ça c'est. Bon. C'est. Voilà, c'est. Ça c'est. Franchement, c'est un peu chaud. Dans l'immersion. Ah, ouais, j'étais dans l'immersion. Ah, c'est dans l'immersion. Donc ça c'est pour l'histoire. Okay, ouais, le contexte. Okay. J'y ai cru. Et de là, en fait, on reviendra s'infiltrer dans ce bois-là. Oui, enfin, on va marcher deux. On va arriver par le côté ouest pour venir, en fait, détruire. Trois éléments électriques, vous êtes trois et donc il y aura trois charges à mettre. Une fois que les charges seront posées, on reviendra jusqu'ici et là on fait une récup hélico. D'accord. Et là, on s'en va. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est que cette truc elle est gardée. Elle est gardée par qui ? La sentinelle. La sentinelle. Qu'il faudra peut-être neutraliser si elle est dans les parages. Elle est parage ou si vous êtes décelé. Je vais vous montrer le matériel qu'on va embarquer. Il y a un vrai scénar. Il y a un vrai scénar et tout, c'est stylé. Oh putain. Je sais pas, vous avez pas tout dit, mais c'est qu'on est aussi un peu dans le dépassement de soi. Ah. Et comme vos sacs sont pas non plus super lourds. C'est les C4. C'est le C4. Voilà. Ah. Bien vu. Vous avez la caisse, les menottes, machin, vous répartissez. Avec la caisse, ça risque d'être extrêmement lourd. Il va falloir qu'on se la relaie. Vous pensez que c'est mieux d'y aller en mode stratégie silencieuse ou en attaque? Silencieuse. La sentinelle, s'il a un toki et qu'on attaque et qu'on est repéré de trop loin, il va sonner l'alerte. Est-ce que quelqu'un veut être responsable de cette mission? En vrai, je pense que je vais le faire, vas-y. Carré. On a notre soldat. Nous, on reste un peu en retrait tous les deux. Kev, tout discrètement, sans lumière, sans rien dans les mains, etc. T'as juste les menottes sur toi. T'essayes de repérer où il est. Ici, on s'arrête tous les trois derrière un endroit où on est en sécurité un peu opaque. Je prends deux C4. Wiki, tu prends un C4. Vas-y. On a chacun du scotch sur notre bras qu'on a préparé. Dès que je vois que le mec est menotté, je fonce sur toi. Et bah après, on bombarde zone d'hélico. Nous, on se barre. Et c'est parfait. C'est ça. Ouais. Oh, oh. Pour de vrai. Non, Wiki, je peux c'est pour tout le monde. Que j'y crois pas. Oh, j'ai senti, ça sent bon. Oh. Vous êtes 4, il y a 4 pizzas. Oh le bonheur. Il y en a une chacun. Instructeur, merci infiniment. Gros, t'imagines même pas. J'y crois tellement pas. Écoutez-moi bien, je vais lui faire du mal. Oh. Oh. Oh.
Vous avez des couteaux. Ah, oui. Non mais la pâte à cause. T'es heureux ou pas? C'est bon, Wakid, t'y crois, frérot? J'y crois comme il faut. Les gars, notre repas a été écourté par le taxi de Timout qui vient d'arriver. Gros, mais déjà, c'est merde d'être venu dans l'aventure et frérot, d'avoir accepté parce que c'est normal. Pas facile. Hein. Tes doigts, vous réussissez. Ouais. Bonne chance, frérot. Putain. Vas-y, frère, bisous. Hein. Bisous bien. Rentre bien. Arrivé sur Gauche, préparez-vous à l'atterrissage. Soyez fort, efficace et ne regardez pas l'air. Les amis, c'est parti. La mission commence officiellement. Objectif, détruire la centrale. C'est nous qui gérons le temps de la mission. Ça veut dire du moment qu'on n'atteint pas le sentinelle, on a le time. Oui. Tu veux pas me remplacer? Tu te remplaces? Vas-y, ça marche. J'ai plus de pêche. Vous êtes stressé ou pas là? J'appréhende, ouais. C'est insupportable de marcher dans les hauteurs, j'imagine même pas vous. Tu veux que je te remplace, Wikit? Vas-y. Oh, la boîte est devenue. Il y a quand même du C4 dedans, les gars. Allez. Oh, c'est tellement plus agréable. Ah, déjà sur la route. Wikit? Ouais. T'es prêt? Ouais. C'est reparti. 2, 3. En vrai, Wikid, tu nous fais du bien de zinzin. Bon. Parce qu'en fait, en termes de force, t'es meilleur que moi. Bah, carré alors. C'est quoi ce bruit? Bah, attends, mais je découvre des nouveaux insectes là. Le parc? Ouais. En fait, c'est où il y a les conteneurs. Ok. Donc, dès qu'on en arrive sur la route, au croisement, on bascule là-dedans et après on se sépare. Allô? On va arriver, à partir de là, il n'y a plus d'animation que de l'action. C'est là. Ça fait flipper l'endroit. T'es prêt? Ça va? Ok. Ouais, ça va. Attention, il y a plein les charbons. Ok. Ok. On peut exploser à tout moment, il y a des TNT dedans. Des TNT, on est dans Minecraft. C'est bon celui-là. Ouais, carré, c'est bon. Mets-le là. Voilà. Le partisan, il a dit la lumière. Il faut faire de la bête de lumière pour qu'il vienne. Les secrets ont été posés, on est prêt, on attend au parking. Très bien, on attend. Et
L'hélico. Quoi? C'est l'hélico que t'as appelé. Oh. L'hélico, il est dans le champ là-bas. On embarque, on arrive tout de suite. On est en train de danger. Attention. Allez, oui. Vous, on décolle. Ok, c'est parti. Waouh, mission réussie. Bien joué, super. Oh, je suis carrossable. Mec, c'était excitant à la. C'était lourd, hein. Les gars, je sais pas si pour vous ça rend bien de ouf, parce qu'en vrai, on se met un peu dans un rôle, on joue un jeu. Là, du coup, la sentinelle, c'était l'instructeur qui a joué et la sentinelle et l'hélicoptère. Comme vous avez bien bossé. Mais les gars, Kev, il a même pas lâché la boîte. Comme vous avez bien bossé, dernière ronde, minuit. Oh non. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oh, c'est incroyable, ça. On rentre jusqu'à minuit et après... Et après, c'est fini. Après, on dort. Après, on mais la condition, c'est qu'à 7h00, vous êtes ici. Ah oui, ok. Demain, il faut faire la Dark Zone. D'accord. Ok. Ouais. C'est une blague? Putain, toi t'as la loose jusqu'au bout. Bon bah. Oh là 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 là. Les amis, vous l'avez entendu, demain, la Dark Zone nous attend. Dernière nuit dans le bivouac. Big pensée pour Timothée. Ouais, vraiment. XXL. Le bâtard. Big in size. Attends, mais Kev, t'as encore du scotch? Mais t'en as partout en fait. Ça va les gars, honnêtement? En vrai, je suis content parce qu'on va passer une nuit. Ouais. Normalement, et pas agité. Franchement, trop fier de nous. Toute la journée là encore de bise. Wow. Je vous souhaite de passer une bonne nuit. J'espère très honnêtement ne pas vous revoir pendant la nuit, les gars. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, le réveil qui pique. Tu sens que t'es dans ton sommeil profond et d'un seul coup. Allez, 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 les gars. Il est moins qu'un, on se réveille. Ce matin, je pense que je vais avoir une déterre de fou. Parce que je sais que c'est la dernière énergie qu'on utilise. Et après, c'est fini. Putain, j'ai plus de voix. Pourquoi j'ai besoin de lever? T'avais pas clair? J'arrive pas. Oh, j'ai besoin d'être de lever. Les amis, ça sent la fin d'aventure quand même, hein. Ça y est, y a plus de campement, y a plus rien là. Mais c'est vrai que là, frère, y a plus de place dans nos sacs. Hein. Oh les gars, le cookie de fou. Plus de boissons bien sucrées. Oh là là. Les gars, honnêtement, vos courbatures, elles sont où? Moi, elles sont partout. Les jambes là, les bah, moi, biceps. Moi, c'est plus les jambes. Hein. Courbatures d'hier, les biceps, les pecs, les abdos. Ouais, abdos et les ouais. Jambes, putain, là, c'est le deuxième jour de courbature. C'est vraiment vénère. Je n'arrivais même pas à me lever ce matin, réellement. Vous êtes prêts pour attaquer la Dark Zone? On l'a vu au tout début. Maintenant, on va l'attaquer, bordel. C'est le ramping. Donc on va ramper tout le conteneur qui est là et on va venir au clameau. On restitue en fait ce qu'on fait, c'est un parcours un peu urbain. Comme bon. Moi, je vais faire ma barre, je mets les pieds. Ah oui. Putain. On se lâche. Je me suis défoncé les bras. C'est l'instructeur Krao dit, je me suis défoncé les bras, imagine-nous. Alors là c'est un rail, on repart sur le fait d'appuyer fort de chaque côté. Elle me retrouve dessus. Oh le monstre. Ensuite le rail. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, abaissez le centre de gravité. Les amis, il est en train de nous expliquer tout ce qu'on va devoir faire dans la Dark Zone. Ah mais il a les grandes jambes lui. Ça va. Vous les flex là un peu hein. Regarde en bas. Magnifique. Fin du parcours. Fin du parcours. Fin du parcours. Ouh. Quand même une fin du coup, ça me rassure. Ouais, y a une fin, il y a une fin à un moment. T'es le meilleur poulain. Faut que tu réussisses pour nous donner le courage. C'est parti. Allez. Allez Matkev. Allez Matkev, t'as un monstre. Voilà. Oh le ranger. Magnifique. Je pense t'as morti. Voilà. Putain c'est un monstre. Profites-en, récupère, c'est de la concentration là. Il y a deux wicked de rouge. Voilà. Je pense qu'il s'est explosé le genou mais il l'a fait. Instructeur Krao, je pense qu'il est prêt pour l'effort spécial. Il est souple. Ouais, la tête de l'homme, il me motive. C'est la confirmation. Voilà. Là, ça a été deux jours de test physique et mental. Là, c'est la confirmation. Voilà. Ouais. Les gars, ils parlent plus. C'est que de la concentration. C'est que dans la tête. Il va devoir descendre à la giga corde là. La technique de se laisser glisser, il dépense moins d'énergie. Voilà, décolle l'échelle. Voilà. Ah putain. Voilà, super, et ça nique, c'est sûr. Accélère là maintenant. J'ai envie, mais j'y arrive pas forcément. Ça a l'air dur de fou. Putain, il a réussi. C'est gagné là. Voilà, c'est parfait. Et tu descends, tu perds pas de temps. Putain, il a réussi. Oh là là.
Oh, il m'a éclaté. Les gars, numéro 1 a réussi. En tant que numéro 2, je suis obligé. Faut que j'y arrive. Tu veux te dire 11 minutes. 11 minutes ? Putain ! Ouais. Allez. C'est bien, c'est bien. Voilà, approchons. Ah, nickel, ouais. tu l'as. Ah, putain. Attention, Michou, hein, t'as les jambes qui tremblent. Hein. Ouais. Allez, accroche-toi, ce bas. Ah, c'est ça, allez. Allez. Bon, encore, encore. C'est bien. Encore. Monte encore, ouais. monte encore. Ouais. Bien, s'il vous plaît. Voilà. Allez. Allez. Voilà, ça, c'est gagné. Quand t'es ici, c'est gagné. Allez. Super. Ouais, c'est bon, ouais, ça passe, ça passe, on valide. Ouais, génial. Ah. Allez, c'est facile ça. Ça va vite et tu récupères. Ouais, joli, respire bien. C'est au bout là. Voilà, pense à bien décoller l'échelle. Du rythme. Allez. Ouais, déterminé. Après, t'as le pont et c'est fini. Là. Allez. Parfait, ouais, ça. Allez, sap. Ouais, super. Excellent. Bravo. Ouais, 8-22. Ouais, j'allais dire 9 minutes. 8 minutes 22. Bien joué, hein. Bravo. C'est vrai, ils m'ont tellement lâché dès le début. Je suis trop fier de moi, putain. Ah. Ouais, tu peux sortir bien, tu peux te reposer là. Ouais, là, il va récupérer. En fait, c'est les deux. Il faut qu'on y quitte le face. C'est bon. T'as pas envie d'essayer? Franchement, non. Juste t'as pas toi, envie de savoir. Je te jure. En fait, on est parti sur vous deux parce que, comme il y a une faiblesse musculaire, on n'a pas envie que ce soit comme pour numéro 3. Donc voilà. Encore une fois, tu m'as battu, mec. Incroyable. Hein. Putain, j'y croyais jamais. Oui, merci. Hey, ils sont bons, ceux-là. Là. Mon discours sera pas long parce que hier, on a bien échangé tous ensemble. Vous avez été vraiment remarquables. Vous avez fait preuve de courage. Vous n'avez pas lâché. Même s'il y a eu des petites blessures, le mental, lui, jamais blessé. Bravo, au plaisir, à bientôt. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Bravo à vous. Non, c'est une aventure de fou, même pour nous. Je pense que on s'est tous dépassés. Même Timout, il est pas là, mais il s'est dépassé. Hein. Et c'est aussi grâce à vous, en vrai, qui nous avez poussé à aller toujours plus loin, faire toujours plus. C'est le mettre dans des bonnes conditions aussi. Ah voilà, c'était cool. Les amis, je pense que vous l'avez compris. On est revenu en tenue normale, etc. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé suivre un peu notre aventure. Là, je veux qu'au montage, tu rajoutes Timout ici, là, sur la poutre. Vas-y. Voilà. Il sera là, il sera. L'équipe des quatre. On est vraiment magnifique. Malheureusement, Timout nous a un peu quitté avant la fin. Il a pas le choix. Ouais, il a pas le choix. En vrai, il a pas le choix, le pauvre. C'était une expérience de zinzin. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin, vraiment. Je pense que de toute façon, on vous en a assez parlé. On est tous éteints, on est tous exténués. Wikit, il a pas eu la force de faire la dernière zone tellement que. Je te jure. On va vite faire l'outro parce que le vlog, j'arrive plus à le tenir. Et qui sait, il y aura peut-être une prochaine aventure. Mais j'ai l'impression qu'on s'est créé un groupe de l'extrême là. Il y a eu Tahiti, le bootcamp. Ouais, carrément. Moi, je suis chaud. Oh, bordel. Ah ouais. Ah ouais. Putain, à la fin, on va être un groupe avec un mental de zinzin. Trop chaud, frère. Bon, les amis, des bisous. Ciao, l'équipe. Vous êtes les boss. Ah, putain, ça... C'est un tic ? Je pense que c'est un tic. Putain, le bâtard. Mais les gars, j'arrive pas à croire que depuis 3 jours, j'ai un putain de tic au cils et je l'ai jamais vu. Mais Elsa, comment t'as pu ne pas le voir ? Tu me regardes où d'habitude ? Tu me regardes pas dans les yeux ? C'est pas ma faute, t'as d'autres trucs qui sont distrayants.